Monsieur le ministre de la Santé, Mesdames et Messieurs, Je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à mon invitation et de me permettre ainsi de m'adresser à nos concitoyens. À l'entame de mon propos, permettez-moi d'abord de présenter au nom du chef de l'État et de tout le gouvernement. Mes condoléances les plus attristées à tous ceux qui ont perdu un être cher du fait de cette maladie et de renouveler tout mon soutien et mes voeux de prompt rétablissement physiquement et moralement. C'est le lieu aussi de rendre un vibrant hommage à tous les personnels de santé de notre pays qui, il faut le dire, se donnent corps et âme et parfois même au péril de leur vie pour porter assistance aux personnes touchées par la maladie du coronavirus. Ceci dit, Mesdames et Messieurs, le 23 mars 2020, le Président de la République, Son Excellence, M. Macky Sall, avait déclaré l'état d'urgence et inséré un couvre-feu sur l'ensemble du territoire national dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus responsable de la maladie du COVID-19. Pour rappel, il s'agissait du début d'une course de fonds qu'on venait d'engager sans savoir au préalable combien de temps elle allait durer. À ce jour, nous ne sommes malheureusement pas encore à la ligne d'arrivée parce que le virus continue de faire des ravages à travers le monde, avec à chaque jour son lot de décès et de personnes nouvellement infectées. Nous devrons nous devons donc continuer à faire des efforts en respectant les gestes barrières, notamment se tenir à distance les uns des autres, porter un masque dans tous les endroits à fort contact humain, se laver régulièrement les mains avec du savon et du gel ou du gel hydroalcoolique. Mesdames et Messieurs, c'est important de dire qu'il faudra se montrer très patient très vigilant et solidaire, car il est certain, et il ne faut pas avoir peur de le dire, que le virus responsable de la maladie, du coronavirus, est encore parmi nous et circule à grande vitesse. Les chiffres publiés quotidiennement par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale le démontrent à suffisance. Ainsi, à la date d'aujourd'hui, nous avons un cumul de 10 887 personnes infectées, dont 225 décédés. L'analyse par région a montré que les quatre régions suivantes présentent des chiffres qui doivent faire réfléchir. La région de Dakar est en tête avec 8 085 personnes infectées, soit un pourcentage de 74 La région de Thiès vient en deuxième position avec 1 123 personnes infectées, soit un pourcentage de 10,3 la région de Gurbel en troisième position avec 688 personnes infectées, soit un pourcentage de 6,3%. Et la région de Ziguinchor en quatrième position avec 279 personnes infectées, soit un pourcentage de 2,6%. Si on fait le cumul des chiffres, nous avons rien que pour ces quatre régions un total de 10 175 personnes infectées, soit... 93,4% des 10 887. Il est important de préciser que près de 50% des malades ont moins de 40 ans. Et je voudrais peut-être juste avant de continuer, m'arrêter pour vous montrer des chiffres. Ici, nous voyons le tableau qui montre l'évolution de la maladie. Pour les deux premières barres en bas, c'est ceux qui ont d'abord moins, moins de 4 ans et moins de 20 ans. Là où on a une bonne partie de la population, c'est ceux qui sont entre 20 et 39 ans. Ici, nous avons les 40-59 ans ici, nous avons les plus de 60 ans. Si on prend le nombre de personnes décédées des suites de la maladie sur l'ensemble du territoire national, de façon Désagrégés, selon toujours les chiffres officiels. Au, du 5 août 2020, sur les 213 décédés, nous avons deux qui sont dans la tranche d'âge de 5 à 19 ans, huit dans la tranche d'âge de 20 à 39 ans, 45 dans la tranche d'âge de 40 à 59 ans et 158 sont dans la tranche d'âge de plus de 60 ans. En résumé, Seuls 10 malades âgés de moins de 40 ans sur plus de 6 000 malades sont décédés. Contre 203, 203 décès sur 4 614 sur la cible de plus de 40 ans avec un chiffre alarmant de 158 décès. 158 décès pour ceux qui sont âgés de plus de 60 ans. Là aussi, si vous regardez tout à l'heure, le tableau le montre à suffisance. Donc, vous le voyez sur les deux dernières barres, nous avons vraiment le, le gros lot, donc ceux qui ont plus de 40 ans, 40 à 60 et ceux qui ont plus de, plus de 60 ans. La signification est simple. Les jeunes constituent des vecteurs de transmission du virus aux personnes âgées et ces dernières en meurent. Il faut rappeler. Que dans le cadre de la lutte contre cette pandémie, le Sénégal, à l'image des autres pays du monde, avait très tôt pris un certain nombre de mesures visant à lutter efficacement contre la COVID-19. Parmi ces mesures, on peut citer entre autres la limitation de la circulation des personnes et des biens, l'instauration du couvre-feu, la fermeture des écoles, des universités, autres lieux d'enseignement, l'interdiction ou la limitation des rassemblements dans certains lieux recevant du public. Il est bien vrai que nos concitoyens s'interrogent et nous interpellent légitimement sur les résultats réels de ces mesures et surtout sur leur efficacité. Seulement, vous n'êtes pas sans savoir que l'apparition du virus est encore récente et que naturellement, il n'est pas encore totalement connu. Même s'il est établi pour chaque jour, les scientifiques du monde entier comprennent de plus en plus les spécificités de cet ennemi mondial commun. Ce qui est sûr, c'est qu'aucune personne sensée ne peut désormais douter de la réalité, de sa réalité. De sa dangerosité et surtout de sa létalité. Je rappelle que si certaines personnes sentent à peine les symptômes de la maladie du, au coronavirus ou en guérissent plus ou moins facilement, d'autres, par contre, en sont mortes malheureusement, elles deviennent de plus en plus nombreuses. Il est vrai que les personnes les plus fragiles sont les plus âgées et ou atteintes de pathologies chroniques, mais les découvertes récentes ont montré que la tranche jeune est de plus en plus infectée. Dès lors, les jeunes sont interpellés car même s'ils sont souvent asymptomatiques, ils ne constituent pour moi un danger pour eux pour eux-mêmes et surtout pour les personnes vulnérables avec lesquelles ils vivent. L'heure est donc pour eux à la prise de conscience et à la responsabilité. L'expérience a montré que partout dans le monde, les mesures barrières appliquées avec rigueur et détermination sont pour le moment la seule arme efficace pour stopper la propagation de cette terrible maladie. Ainsi donc, plus besoin de dire aujourd'hui que la désinvolture, la légèreté et l'irresponsabilité dans le comportement sont à bannir parce que dangereuses pour soi et pour les autres. Mesdames et messieurs, l'heure n'est pas à la polémique ou aux supputations. L'heure est à l'unisson, à la solidarité et à la responsabilité. Depuis le début, les Sénégalais ont montré avec détermination et abnégation combien il est important d'agir et de réagir ensemble pour faire face à cette pandémie. Cette posture est aujourd'hui plus que jamais d'actualité, parce que l'ennemi est toujours debout devant nous et prêt à frapper. Malheureusement, nous notons depuis la levée de l'état d'urgence un certain relâchement des populations et un non-respect manifeste des mesures barrières à la tête desquelles le port du masque et la distanciation physique. Je peux donc dire... Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, qu'il est plus que jamais nécessaire de nous mobiliser, de combiner nos efforts et de lutter collectivement et solidairement contre cette pandémie qui, s'il faut le rappeler, constitue une, un précédent sanitaire dépassant tout ce que nous pouvions imaginer. Il est donc impératif que nous continuions à nous comporter en citoyens modèles en respectant scrupuleusement tous les gestes barrières recommandés. Arrêtons le déni et la stigmatisation. Cette maladie n'est ni honteuse ni tabou. Regardons la réalité en face et agissons en conséquence pour vaincre la COVID-19. C'est ainsi que, faisant suite aux instructions de M. le Président de la République lors du Conseil des ministres de ce mercredi 5 août 2020 et à la réunion du CNG présidée par Son Excellence lui-même, hier, je voudrais porter à votre connaissance la prise des décisions suivantes, des mesures suivantes avec effet immédiat interdiction des rassemblements au niveau des plages des terrains de sport, des espaces publics et des salles de spectacle. Interdiction de toute manifestation sur la voie publique, spécialement dans la région de Dakar. Port obligatoire du masque dans les services de l'administration et du privé, dans les commerces, dans les transports. Respect scrupuleux des arrêtés du ministre des Transports relativement au nombre de places autorisées dans les transports en commun. Toute violation de ces dispositions expose son auteur à des sanctions pénales, pouvant aller de l'amende à l'emprisonnement conformément aux dispositions du Code des contraventions. Ainsi, des instructions seront données pour faire payer aux contrevenants une somme forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur, c'est-à-dire au bureau des contraventions des commissariats de police et des brigades de gendarmerie, comme prévu par les dispositions de l'article 517 du Code de procédure pénale. En conséquence de quoi? Et pour que nul n'en ignore, je voudrais insister sur le fait que toutes les dispositions utiles sont prises par mes services en rapport avec nos forces de défense et de sécurité, que je félicite vivement au passage pour le travail remarquable opéré depuis le début de la lutte contre la pandémie du coronavirus pour que force reste à la loi. Je vous remercie.